Plus d'une centaine de femmes ont battu le pavé pour dénoncer les violences dont elles sont victimes. Une violence qui commence à prendre des proportions inquiétantes avec des femmes battues et même tuées. Une marche silencieuse parce que nous avions vraiment des préoccupations. Des préoccupations dues aux violences basées sur le genre. Parce que nous avions constaté dans ces deux derniers mois, il y a eu plus de morts. Sinon, on peut dire plus de morts de femmes parce qu'elles ont été vraiment frappées, sinon égorgées, sinon brûlées par leur mari ou bien leur fiancé. Donc c'est ce fait-là que nous sommes sortis. La marche silencieuse organisée avait aussi pour objectif d'interpeller les autorités de la transition à s'impliquer en vue de trouver une solution à ces cas et prévenir d'autres cas. Déterminés à jouer pleinement notre rôle dans le processus de refondation du Mali en cours, nous nous sommes réunis ce jour 3 juin 2022 au monument de la paix pour manifester notre mécontentement et lancer un cri de désarroi aux autorités de la transition, aux autorités traditionnelles et coutumières et à toute la société malienne face aux nombreux assassinats et maltraitances des femmes par leurs conjoints, proches ou par des malfrats. Aux côtés des femmes, plusieurs hommes s'étaient mobilisés pour dire non aux violences faites aux femmes. Maintenant on tue, on égorge, on fait tout, ça ne va plus. Et nous sommes venus justement pour aider, pour que les autorités entendent la voix des femmes. Il faudrait que ça cesse. Il faudrait qu'on considère l'article 1er de notre constitution qui dit que les hommes et les femmes, ça veut dire que tous les Maliens naissent égaux en droit et en devoir. À l'arrivée, quelques femmes leaders ont été reçues par les membres du gouvernement à qui elles ont remis la doléance des femmes du Mali.